On a 2 heures de retard, il y a un vent de 60 nœuds, et je dois laisser mon gars, mon frère, tout seul pour gérer 3 amarres dans la tempête, avec un seul moteur. Coincé au port pour réparer son moteur tribord, et avec 27 tonnes à pêcher, le capitaine n'a pas besoin d'ennui avec son équipage. Peu importe qu'il soit de bons matelots de pont, je leur file un alcotest dès qu'ils rentrent. Je m'en fiche s'ils disent qu'ils n'ont pas bu. Ils peuvent me raconter ce qu'ils veulent. Avec l'alcotest, on sera fixé. Surtout Jamie, il est alcoolique. Il ne devrait pas approcher un putain de bar. Oh. Ils vont se faire botter le sévère. Moi, je te le dis. Venez à la passerelle immédiatement! Les matelots Jamie Smith et Kenny Jensen devaient revenir au bateau il y a 2 heures. Vous étiez où? Pour payer les factures. Vous avez payé pendant 2 putains d'heures? J'avais coupé mon téléphone. Toi, Kenny, vous allez prendre ces putains d'alcotest. Un alcotest chacun, tout de suite. 5 secondes. Vous avez raté la qu'on a eue. On a failli rentrer dans le destination parce que j'avais qu'un seul putain de mec à la proue. Vous savez ce qui se passe avec le réducteur? Je sais pas. Comment vous le sauriez? Vous en aviez rien à foutre. Posez-les sur la table. Bleu, positif. Bande de. Allez, t'es le camp. Positif, je rêve. C'est pas du boulot, ça. C'est n'importe quoi. J'ai pris une putain de vodka cranberry. Je sais que j'aurais pas dû y aller. Je devais m'occuper d'une affaire de merde. Encaisser des chèques. Je trouve des excuses, mais je sais que j'ai mes. Je sais pas quoi faire de vous. Je le prends mal parce que je suis un putain d'alcoolique, moi aussi. Vous compromettez ma sobriété en buvant des coups derrière mon dos.